J'ai toujours été correct avec toi. Hein? Oui. Tu connaissais les règlements? Oui. Amolé. Pourquoi tu l'as amené? Pour appeler ma blonde. Je l'appelle-tu ma blonde, moi? Non. Je sais pas. Je l'appelle pas ma blonde. Je m'ennuie de ma blonde, mais j'appelle pas ma blonde. On n'appelle pas sa blonde ici. On pense même pas à sa blonde ici. Fouiller dans mes affaires. Quoi? As-tu fouillé dans mes affaires? Ça vient de où, ces accusations-là? J'ai des pages d'arraché dans deux de mes livres. J'avais du chocolat. J'en ai plus. Tu me niaises, là, avec tes petits livres et tes petits bonbons? T'es le seul autre qui vit dans la gang. Tout le monde sait que t'as la dent sucrée, mon colis. J'ai rien pris. Je te check. C'est que t'es désagréable. Cinq dîners. Hein? Cinq dîners. Ah, t'as pas mal que j'aille ça. Cinq-tu souvent? Et tu manges-tu comme fou? Manges-tu du fer? Ah oui, c'est rien, du sang, continue.
mal, ça. Y aller. Ces gens-là, ils nous ont déjà vus. Veux-tu y aller? On serait déjà fait massacrer, man. Tu y vas-tu?
disparaît pas de même, un être humain, calice. Pour nous rendre fous, c'est tiens. Je les arrache les yeux si je les poigne. Non, c'est-tu des histoires des animaux, mon gars? C'est bien plus vrai qu'on pense. Check le canard. Tu peux être dans n'importe quel environnement avec lui, c'est un lac ou n'importe où ailleurs. T'entendras jamais, jamais son cri faire de l'écho ou résonner. Impossible, ça. Pour que Pic, c'est connu. Ils peuvent pitcher des aiguilles. Les éléphants, ils ont peur en esti des souris. Les souris leur rentrent dans la trompe, ils font le chemin, ils vont lui manger le cerveau. J'ai souvent entendu ça. Le crapaud, tu touches jamais à ça. Verrue automatique, c'est les doigts. Oui, mais watch out, les corneilles, c'est ta chance. Tu vas remarquer que quand il y en a une de malade dans la gang, les autres l'entourent pour l'inspecter, puis ils font comme une sorte de tribunal pour décider de son sort. Puis s'il est trop malade, puis qu'il y a des risques de contamination, ils peuvent la chasser de la communauté ou la tuer à coup de bec. Une autre affaire que le monde sait pas. Plus t'écrases de coquerelle, plus elles se reproduisent. Si tu lèches une grenouille, ça te drogue direct. Dans une année, il y a moins de monde tué en avion qu'attaqué par des ondes. Oui. Les chiffres sont là, man. Ouais, il y a bien des histoires de poissons aussi, là. Il paraît qu'un poisson, ça a juste 5 secondes de mémoire. Fait que c'est pas vrai qu'un poisson peut être triste seul dans son bocal. Faut jamais donner de graines de riz à un petit animal, surtout des oiseaux. Le riz se dilate dans le petit corps, puis ça les fait exploser. Pareil pour un crapaud. Si tu le fais fumer, il explose. Oui, voyons. Il paraît que c'est vrai. Les pieuvres, ça n'a pas de Dieu. Pareil pour les crevettes. Il y a un de mes chums là, qui a vu une vidéo. Là. C'était un couple en vacances dans un zoo en Russie. Là. Puis ils mettent du miel sur la main de flot. Puis pareil qu'un ours vient, il liche à la main. Puis d'un coup, il y a une nastie de mordée, mon homme. Ouais, puis il y a bien des histoires, ces serpents, puis ces couleuvres aussi. Là. Comme? On m'en rappelle plus bien, bien.
saignes encore du nez? Des fois. Sais-tu pourquoi? Non. Pas l'air en santé. T'as volé les chocolats de Chapelot. Puis des enfants, me semble. Hein? Non. Bon. T'es réglé. Toi, on n'entendra plus parler de tes petits bonbons. M'en fous de chocolat. Arrache les pages de mes livres. T'as quel âge, Chapelot? Toi? Es-tu venu ici de flasher ton body? C'est quoi, là? Tu veux que je te huile le dos, calice? Hum? Réveille-moi une autre fois avec tes astuces d'histoire de cravate pis de couleuvre pis je te crève un œil. Pas de ça, ça a l'air qu'il s'en passe des belles dans ton sommeil. Pourquoi tu me le racontes pas à moi, ton rêve? J'osais pas. Raconte. Mais rien de spécial. J'ai rêvé qu'on était toute la gang. Ticu était avec nous autres. On était en break, en mission, pas loin du Grand Champ de Blé d'Inde. Puis? Ben, y a une fille qui est apparue. Tenue, comme ça, sans raison. Est sorti du champ. On était tous un peu paralysés. Puis, tu me connais, là. J'étais allé pour la voir. Elle est rentrée dans le champ. Et? Rien. Je me suis réveillé. J'étais-tu dans le rêve avec vous autres? Ouais. Elle a l'air de quoi, la fille? Jeanne. Cute. Faut que tu racontes ça aux autres, puis moi, tu me la racontes pas. Mais... Tu veux pas qu'on parle de femme? J'ai juste rêvé, je contrôle pas ça. Moi, j'ai déjà rêvé que Chapelot me massait le dos. J'ai pas honte de le dire. Assume-toi. T'es tout.
c'est que tu veux? Ouais, c'était un nasty de gros feu dans un gros building. La bâtisse va s'écrouler, fait que le chef des pompiers décide de compter ses hommes avant de crisser son camp de là. Il en manque deux. Fait que le chef, bien courageux, décide de foncer dans le feu pour aller les chercher. Fait que là, il arrive dans une pièce encore protégée du feu, puis il est voué ensemble, en train de s'enculer. Chef, lui, crie, qu'est-ce que vous faites là, calice? La bâtisse va s'écrouler! Le gars qui est en train d'enculer l'autre répond, ah, il fallait que je fasse de quoi, chef? Il s'est évanoui à cause de la fumée. C'est d'épée, en ce temps-là, c'est de bouche à bouche qu'il faut faire. Ben, c'est ça que j'ai fait, chef. Comment vous pensez que tout a commencé? Raconte-en un autre demain. Je te pète les dents sans t'enculer avant. Ni après. Oh. Pas la vieille cachette à gun à Willy Saint-Jean, ça? Non. T'as une chenille sur le bras. Enlève-la.
Mais voyons, qu'est-ce que t'as? On m'a l'air démoralisé. J'ai mal dans le dos. Mal partout. Mais voyons, prends pas ça comme ça. Attends. Enlève ça. Détends-toi. Hein?